difficult to say why I've been loving motorcycle. It's the adrenaline that the bike is giving you that was so good. And I was also quite good on the motorbike. Why not do something where you are good at? I really could spend my life for this, and I did it. The 2015 Moto2 World Champion is the master of Motegi. Zarco wins. Stand up, take a bow. Back-to-back World Championships for Johann Zarco. Zarco finally is a MotoGP winner. I'm really enjoying a lot of things outside of motorbike. And I'm so happy that I can still do my job at the highest level of motorbike. So that's the perfect balance. Wow, vous êtes belle. Avec son petit. Tu vas à l'école? Ouais. Tu commences à quelle heure? 8h30 là. Ah. Ouais. Tu vas prendre un petit déjeuner alors. Vu que c'est ton. Il y a des bons pains au chocolat. C'est où la semaine prochaine? On part en Inde. Je décolle de Nice d'ici, ouais. Un jour, il a dit, je prends mon scooter, je pars, il faut que je fasse que de la moto. Ça nous a fait drôle. C'est lui qui a décidé de faire... Je l'avais emmené pour faire du karting, juste à côté, à Marineland. Et lui, il a pris la petite moto. Il a dit, oh, je fais pas du karting, je fais la petite moto. Et de suite, il a su bien la faire fonctionner. On m'a dit, il est très bon, il faut l'emmener à un club. Et je l'ai mis au club. Et là, ouais, il a commencé. Mais moi, je n'y connaissais rien. Hein. Je ne savais même pas qu'il fallait mettre de l'huile ou dans une petite moto comme ça. Je ne connaissais rien. Je n'avais rien. C'est pas moi qui l'ai aidé à faire de la moto. Pas du tout. So I was around 9 years old when we started. And then around maybe 12, 13, I wanted to go in the World Championship. J'ai suivi, j'ai conduit le camping-car quand j'étais junior. J'ai été donc sur les paddocks pendant quelques années. C'était la période Rookies Cup, hein? Ouais, Rookies Cup. J'ai accompagné partout, toute l'Europe. Ouais, là où je me souviens, c'est quand il était champion du monde junior, Red Bull. Another brilliantly judged victory by the cup champion, the 17-year-old Frenchman Johann Zarco. C'était le premier champion junior. Et ça m'a fait vraiment, vraiment très, très, très plaisir. C'est le souvenir que je garde le plus, je pense. Bon, après, en moto 2, c'était à distance. J'étais ici, c'est pas pareil. Mais l'ambiance dans le paddock, pour moi, c'était... J'aimais pas. J'étais trop nerveux. J'avais peur de lui balancer ma peur, quoi. Mes tensions. Et en plus, j'y connais rien en moto. Donc, au début, je me baladais dans le paddock. Je savais à peine reconnaître une 125 d'une 2,5. C'était pas mon truc. Et d'ailleurs, dès qu'elle a pu s'émanciper avec son entraîneur, ils sont partis tous les deux. J'étais invité sur tous les grands prix, bien sûr, mais je sais pas, non. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on me voit plus du tout.
On t'a jamais vu, surtout, c'est pas qu'on ne voit plus. Mais, dans les Grands Prix, c'est vrai, on m'a jamais... Oui, oui, c'est vrai, sur les Grands Prix... Ouais, le Grand Prix, si, une fois, si, si, ça, quand t'étais sur KTM, je suis venu, et t'étais toujours par terre. Il y a la chambre. La chambre, il y a des petits trophées. C'est marrant. Ça fait plus la chambre souvenir, qui est du coup, plutôt, c'est ma maman qui gère cette chambre, parce que moi, je suis plus du quoi. Il range deux, trois trucs. On a modifié un petit peu quand même. Ouais, mais du coup, ouais, ça fait un peu plus de... on va dire plus des souvenirs, enfin des choses plus anciennes, ouais. Après, oui, il y a les albums photos. Il y a les tableaux de ma femme à filmer. Ah ouais, elle peint, ouais. Ah oui, c'est vrai. Elle qui peint, toutes les... Lui sur les motos, et quand il était petit, tout ça. Ouais, un premier. 2009. Et ça, c'est les champions Red Bull. Ouais, la dernière victoire en Portugal. On a gardé ça, qui venait de chez KTM. Là, c'était dans la Red Bull Station. Il est beau, hein, c'est sympa. Elle est magnifique, cette photo. C'est simple, hein. Mais il y a deux, trois petits trucs. C'est le petit musée. Là, il y a la vieille photo aussi. Hop là. C'est là. Là, le numéro 20. J'avais commencé avec le numéro 20. La Fabio, il avait un an. Moi, j'étais sur la moto. Ça fait bizarre, ça. Tu te dis, j'ai le même numéro que lui, sauf que lui a un an. Et là, la première victoire à Catalunya, quand je pousse Nico Terol. Turn 13, Zarco is close. Zarco closes up on Nico Terol, takes the advantage side by side. Oh. By Ashley Glass, he pushes Terol onto the grass. Zarco wins the race, but will that race win count? 20-second penalty for Zarco due to illegal overtaking. Zarco's win has been taken away from him. Donc après, j'ai terminé sixième, mais c'était quand même... Je passais la ligne premier. Bon, c'est un petit souvenir. Le t-shirt du double titre. The first French rider to clinch two world championship titles. Absolutely unbelievable. And if you haven't seen much emotion from Zarco before, you're gonna now, because this, look at how much it means to him. That has been unbelievable. Bon, j'aurais dû fouiller avant, parce que là, j'ai trop. Tu voulais quoi? Bon, non, je viens de chercher quelques photos de toi, mais c'est plus petit. Ben, le voilà au ski, quand il a perdu une dent. J'ai dit, moi, ça doit le faire drôle. Son partenaire, il est pas nul. Ah oui, d'accord. C'est dans Team Zarco. J'ai des souvenirs, toi. Sur la plage. Bah, montre-la, avec c'est. Tes cousins-cousines. Ouais. À Dunkerque, ouais. Une de ses premières victoires. Trop bon. À Cagnes, hein. Ça c'était à Cagnes sur mer, quand il a commencé. Ouais, et puis oui. Sur un pioui. Trop bon. On avait fait un petit événement. Et pourquoi le V? C'est une belle photo aussi. Ben, je sais que. Non, moi j'aimais bien la moto de Douan, il avait le numéro 1. Je sais que j'avais cette image en tête. Et là, quand on arrive au motoclub, je me souviens vraiment bien de ça. Vas-y, choisis un numéro à partir de 10. Je lui dis le 1. Il me dit, mais non, je t'ai dit à partir du 10. Je dis, bon, mais alors le 10.
Non, il est déjà pris. Bon, ben, le vin. J'ai fait comme ça. Et après, au début du pocket bike, j'ai eu le... Comme c'est papa qui faisait les numéros et en mode, lui, très pragmatique, efficace. Il dit, mais la petite moto, le 20, c'est trop compliqué à faire. On ne te met que le 2. Du coup, tu prends le 2. Au moins, il y a moins de numéros à découper. C'est efficace, quoi. Et après, avec Laurent, il a mis le 5, quoi. Je sais que je suis passé du 20 au 2 parce que c'était moins chiant à découper. C'est des bonnes histoires, ça. C'est du pratique. Ouais, c'est sûr. Je pensais, des fois, les papas passionnés, on va te faire un design et tout. Là. C'est bon, enlève un chiffre, c'est plus simple. Ce que j'écoute en voiture, j'ai beaucoup de musique en permanence. J'ai beaucoup aimé les Beatles, ça vient beaucoup de mon frère, ça, Paul McCartney. Beaucoup de choses en des années 60-70. Ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose que les autres pilotes. Bah, mon frère, il fait du piano et il fait de la guitare aussi. Et de petit, il m'avait appris 2-3 trucs et du coup j'avais pu mettre un peu les mains sur le piano. Et ça m'a beaucoup plu, et j'ai appris plein de choses par cœur. Et après, en habitant seul, j'ai essayé de faire aussi par moi-même et regarder les vidéos YouTube, tout ça. Et comme ça, sur le piano, j'ai pu déjà comprendre les accords, tout ça. Et ouais, du coup, une musique qui me plaît, je la cherche, je regarde comment elle se joue et je la prends par cœur en général. I have all the instruments at home, but I'm not playing every day. But I see that when I can play, it gives a really good moment. It calms down, or it just you enjoying the moment, and this is nice. The easy things on the piano that you just touch the piano, and the sound is good, and then. Try to sing, but I'm not singing well. And now more I'm singing, it's coming better. And it's something, when I do this, I don't think about anything else, and it brings a good energy. A song for Brad Binder. Happy ever after many victories. Brad deserves to ride a moto too. Aki is thinking that he deserves it too. I really wish for you so many victories. Brad Binder, Brad Binder, race goes on. Brown, how the life goes on. They did a song for the when he has been champion in 2016. He was in Moto 3, I was in Moto 2. I've been happy for what he was doing, so it was a way to give like a gift. And if you want some fun, become a world champion. For the wedding of Jack, it is with the guitar. Alors, here we are, Queensland, for Jack and Ruby. This is more than just a party for their family. So let's enjoy the time, everything is fine. Yeah, I was always quite a lonely guy. Now when I've been growing up, I like to speak with the riders. With Jack and Brad, we didn't have a very high relationship, but we respect a lot ourselves. It's really the guys that I want good for them. Na-na-na-na-na. Difficult, this one. But cool.
Perdona. I would say from 17 or from 18 to 24, I didn't have any balance. I had just the motorbike. And then from 24 to now, I began to have a bit lifestyle at home and then focus on the motorbike. Clearly, I'm also happy doing new things at home, and that's making me open to do many things, and I love this balance. Sure. Et parce que c'est marrant, j'ai essayé de la jouer en même temps, et sans le médiator, j'arrive à peu près à suivre sans jouer fort. Et dès que je mets le médiator, on dirait que j'ai un temps de retard. Ouais. Regardez. Moi, je prends pas ça. Hein. Non, non, il y avait en fait, tu as que celle-là, et après. Et j'arrive pas à retenir par cœur, elle n'est pas compliquée, mais la. Don't let me down. À chaque fois, il y a une petite phrase à chaque fois qui. C'est chiant. On va regarder. Mais ça aussi, je me l'imprime et je suis bon, quoi. Oh, allez. Alors, Sébastien is part, is the guitarist of the group Engine. It's the a French group with many guys that are working in the motorbike. There are five. We are all from motorcycle business. And they ask me, oh, would you like to play with us? I say, maybe in Boldor, the 24 hours in the Castellet, Paul Ricard. I say, why not just do a few songs? And that's why he came, just to make me work the few songs, because I didn't take the time to train. And even if I play some few things, you need to train to adapt. I never play with the electric guitar, so I need to get used. But I'm confident that I can get used quick. So I will do two or three songs, or four songs in Saturday night. On la prend doucement. 1, 2, 3, 4, donc avec un mi. On fera un deuxième cycle sur le solo. On en fait un deuxième et on finit a cappella. Don't let me down. D'accord. Son guitare et avec tous les cœurs. Don't let me down. Et on finit sur le. C'était Monsieur Joan Zarco, plaisir de prendre. Ah, j'ai une autonomie de 3 chansons pour l'instant. En tout cas, merci, ça donne une belle énergie. À bientôt. On peut faire celle-là, là. On la refait après. Comment voilà, creep. Ah. Something. Something in the way. Ah ouais, bah ça, mais ça sera pour la prochaine, ça. Éteins la lumière. La lousse. Ça sera pour le. Ça sera pour le concert d'après. Quand tu auras un peu plus de temps, quand tu seras à la retraite, sinon, ça, c'est le concert dans plus longtemps. Ah, c'est bien, franchement, c'est chouette. Hein.
couple of rumors as well. Maybe the potential of you moving away from Ducati. Is there any truth in that? I didn't sign yet, so then you are forced to think about something else. We need perfection, but if you have perfection but not a high-end mentality, you are nothing. C'est de vraiment être relâché complètement. It was necessary to change many things to just stay at the level. I understood all these things and I am in the game.